trop longtemps fait l'erreur d'avoir une seule méthode pédagogique. Et l'école ne peut avoir de sens que si elle est dans la vie et si elle est connectée à la vie. Il n'y a pas d'éducation sans amour. Il n'y a pas... Comment on peut enseigner à un enfant si on n'a pas le cœur ouvert ? Le métier le plus... celui qui dure le plus longtemps dans notre vie, c'est être parent. Je savais que j'allais devenir maman, mais je ne savais pas comment répondre aux besoins de l'enfant. Parce que parents, ça ne s'apprend pas, quoi. Il n'y a pas véritablement d'école des parents. C'est un bouleversement global de vie. La connaissance vient de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et on n'est pas là pour apporter des informations aux enfants. On est là pour leur donner des connaissances. Que le savoir, il est disponible tout autour de nous et l'important, c'est surtout d'apprendre à apprendre et savoir comment on apprend. Moi, ce que je voudrais, c'est que tout ce qui est bien dans les écoles alternatives soit dans toutes les écoles. L'éducation, c'est l'éducation et la formation des cinq sens. Si je sens, alors je suis vivant. Si je ressens les choses, si je suis proche de mon cœur. Et l'école de la vie, ouais, je pense que c'est... En fait, c'est ce qu'il faudrait pour l'éducation du XXIe siècle.